Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps pour parler? Bien entendu. Maintenant qu'Omega est débarrassé du virus, j'ai du temps à consacrer à l'étude des récolteurs. Impressionnante débauche d'équipement. Dommage que je n'ai que trop rarement bénéficié d'un tel niveau de financement. L'IA en particulier est très utile. Je n'avais pas eu d'aussi bonnes conditions de travail depuis le GSI. Vous avez dit appartenir au GSI. Qu'est-ce que vous faisiez comme recherche? Je n'ai pas fait que de la recherche. Plusieurs missions de reconnaissance, secrètes, très risquées. Je servais sous les ordres d'un jeune capitaine nommé Kira. J'analysais le génophage. Je prélevais de l'eau et des échantillons de tissu des colonies Krogan. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le génophage? Arme biologique conçue par une équipe scientifique galarienne. Utilisée par les Turiens face aux Krogan pour mettre un terme à la rébellion Krogan il y a plus d'un millénaire. Elle affecte chaque cellule de la biologie Krogan. Communément considéré à tort comme un virus stérilisant. En réalité, le génophage ajuste le taux de fertilité viable de façon à compenser le taux de natalité élevé des Krogan. Stabilisation à un niveau de croissance analogue à une population pré-industrielle. Pourquoi le GSI analysait le génophage? La rébellion Krogan a été sanglante et dangereuse, presque autant que les attaques des Rachni. Toutes les espèces évoluent, s'adaptent, mutent. Si le génophage faiblit, il faut y être préparé. Qu'est-ce que le GSI se préparait à faire? Scénario d'intervention en réponse à une augmentation démographique Krogan. Identification des points névralgiques. Le génophage a réduit l'effectif des Krogan, mais leur agressivité reste entière. Un boom démographique serait catastrophique. Le GSI a contribué à endiguer la rébellion Krogan. Il fallait être préparé à faire de même. Simple reconnaissance, rien d'inquiétant. Merci pour cette conversation, Bordin. Je dois reprendre le travail. Il faut que je fasse des analyses. Je ne bouge pas d'ici. Mordine avait un profil psychologique d'hyperactif, mais là, c'est comme un hamster dopé à la caféine. Ce serait un membre très productif de l'équipe. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant? Vous avez une minute à m'accorder? Pour vous toujours, commandant. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été affecté sur le Normandie? J'ai été choisi directement par l'homme trouble pour combattre le pire ennemi de l'humanité. Qu'est-ce que ça me fait? Je suis honorée, exaltée, terrifiée. Mais surtout, j'ai le moral au beau fixe. Sous votre commandement, nous sommes sûrs de gagner. Ne vous inquiétez pas. Les récolteurs, on en fait notre affaire. Dès l'instant où je vous ai rencontré, j'ai su que vous étiez du genre à me rattraper si je tombais à la renverse. Vous misez sur le bon cheval, Kelly. Je n'en doutais pas. Merci, Shepard. Vous voulez parler d'autre chose? Je ferais mieux d'y aller. Très bien. On se parlera peut-être plus tard. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé.
commandant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'avais plutôt envie de bavarder un peu. Pourquoi pas? Je dois dire, vous commandez ce rafio d'une main de maître. Vous ne laissez rien au hasard. À ce rythme, on finira par voir le bout de cette mission. Mieux vaut pour nous, en tout cas. Si ça foire, on va le sentir passer. Vous avez quelque chose à me dire ou vous passez juste en inspection? J'aime connaître mon équipage. Oubliez la procédure. Parlez-moi de vous. Le protocole vous gave, hein? Tout est dans mon dossier. Ancien soldat de l'Alliance comme vous. Je n'ai pas affronté les moissonneurs, mais moi aussi, j'ai été mis au rancard. Plus on agit, moins l'état-major est disposé à admettre qu'il y avait matière à agir. Vous ne donnez pas l'impression d'en avoir trop souffert. À la décharge de l'Alliance, la formation est au poil. Quand on a connu ça, plus question de moisir sur un canapé, ensuite. Vous savez ce que c'est. Mais à tous les coups, Cerberus vous a rafistolé comme il faut. Ils vous ont modifié, au passage? Ils m'ont retapé et ça me suffit. Ça fait pas de mal d'avoir quelques pièces de rechange à portée de main. C'est ce qu'il paraît. Votre job est casse-gueule. Et ça risque pas de s'arranger. Pour être franc, je me demandais pourquoi on faisait un tel foin à votre sujet. Maintenant, vu ce qui se passe, je voudrais pas être à votre place. Se cacher ne rime à rien, Jacob. Pour aucun de nous. Ne vous en faites pas. Ce coup-ci, je ne suis pas déçu. Si vous permettez, commandant, je vais y retourner. Il y a encore pas mal de boulot. Vous n'avez pas de message, commandant. Parfait, je savais qu'il en serait capable. J'ai également surpris des messages entre groupes mercenaires concernant les plans d'élimination d'Archangel. L'au-delà comporte un poste de recrutement qui pourra peut-être vous donner des informations à son sujet. J'effectue la mission. J'espère que vous savez ce que vous faites. Archangel flingue du freelance à la chaîne. C'est quand vous voulez. Montez. Thank you.
enfin quelqu'un qui a l'air de savoir se battre. C'est clair, je suis à bloc, là. Il est avec vous? J'ai pas besoin d'aide, moi. Tu me dis où je vais, et bim! C'est ça, passe par là, tu vas trouver tout seul. Roger! Vous avez dit contre qui on se bat? Dites-nous où aller, on s'occupe du reste. Arcangel se planque dans un bâtiment en bas du boulevard, là-bas. Il est en hauteur. Et la seule voie d'accès est un pont à découvert. Un vrai no man's land. Et il se fatigue, il fait des conneries. On finira par l'avoir, ça peut pas couper. Vous avez un plan? Une petite équipe se tient prête à infiltrer sa planque. Mais il faut une diversion pour qu'elle entre sans se faire faucher. Et la diversion, c'est nous. Exactement. Vous allez faire partie de l'équipe de diversion. Allez sur le pont et occupez Arcangel, pour que l'équipe d'infiltration puisse le prendre à revers. C'est du suicide, bordel. Ouais, et vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Remontez le boulevard et allez à la troisième barricade. Parlez au sergent 4K. Il vous indiquera quand rentrer en scène. Qu'est-ce que vous savez sur Arcangel? C'est pas à moi qu'il faut demander. Moi, je m'occupe de la logistique. Ça commence à faire un certain temps que Tarak et les autres chefs mercenaires l'ont sur le dos. Mais vous étonnez pas si Chine a parlé à un freelance. Je vais aller voir le sergent 4K. Bonne idée. Ouvrez l'œil sur le boulevard. Arcangel a déjà tué des dizaines de freelances. Entrer, ce sera facile. C'est pour sortir qu'on va morfler. Commençons par le trouver. On verra après comment sortir de là. Shepard, j'ai balayé la zone, mais je ne suis pas en mesure de trouver un autre itinéraire menant à Arcangel. Alors va falloir jouer les mercenaires. Les mécas d'assaut et l'aéronef sont dotés d'une puissance considérable. Je vous recommande de les affaiblir avant de partir. Parallèlement à la première vague, l'équipe d'infiltration va tenter de prendre Arcangel par surprise. Je n'attends pas grand-chose des freelances. Quand ils échoueront, nous prendrons la relève. Avez-vous besoin de moi? Vous êtes le leader d'Eclipse? Vous avez trouvé ça tout seul. Je m'appelle Jarrot, chef d'Eclipse sur Omega. Qu'est-ce que vous voulez, freelance? Qu'est-ce que vous savez sur Arcangel? Que son espérance de vie diminue à vue d'œil. C'est tout. On dirait que personne ne le connaît. Regardez autour de vous, et vous serez fixé. Il est intelligent, plein de ressources, dangereux. Mais on a réussi à le coincer. Ses jours sont comptés. Puis-je faire autre chose pour vous? Qui est-ce? D'où vient-il? Ça, même ces hommes l'ignorent. On en apprendra peut-être plus sur son cadavre. Bien sûr, ça ne servira plus à grand-chose à ce moment-là. J'y vais. Bonne idée. Ça devrait les ralentir. Joli. Le premier qui active ce truc va se faire réduire en charge.
mauvais endroit, Freelance. C'est vous le chef des berserkers? Je m'appelle Garm. Le reste, ça te concerne pas. Je suis coincé là à attendre que les Freelances aient fini de jouer à la guerre. Pose tes questions et casse-toi. Qu'est-ce que vous savez sur Archangel? Que c'est un bel enfant de salaud. C'est un Turien. La seule race plus moche encore que les humains. Et il a du cran, faut lui reconnaître ça. Jusqu'au moment où il s'aperçoit qu'il est allé trop loin. Vous avez déjà eu affaire à lui, on dirait. Une fois, il a essayé de me descendre. Il a attendu que je sois seul. Ça a été le combat le plus long de ma vie. Mais j'ai tenu le coup jusqu'à ce que mes gars appliquent. À partir de là, il emmenait pas large. J'ai failli l'avoir. Mais ce fumier s'est fait la malle avant qu'on arrive à le coincer. Il faut que j'y aille. Il était temps. Ça pourrait servir. Sergent Katka. Ah, vous devez être le groupe dont parlait Solki. C'est pas tantôt. Vous nous attendiez? L'équipe d'infiltration va bientôt nous donner le feu vert. Archangel est perdu d'avance. Vous avez des questions? Parce que c'est le dernier moment. Alors la seule voie d'accès, c'est le pont. Oui, le temps qu'on retape l'aéronef ou qu'on arrive à forer un tunnel. Écoutez, on a un plan. On ne vous a jamais demandé de nous soumettre vos idées. Faites ce qu'on vous demande, ramassez vos crédits et rentrez chez vous. C'est vous qui menez l'assaut? Ah, Tarak ne me paie pas pour me battre. Moi, je planifie les attaques et je répare ce tas de boue d'aéronef. C'est vous, les freelances, qui avez le privilège de... Reçu. Équipe Bravo, go, go, go! Archangel a une jolie surprise qui l'attend. Et comme ça, au moins, j'arrête de poireauter. Il faut que j'arrive à le faire redécoller avant que Tarak en donne l'ordre. Où est-ce que j'ai mis cet Omnitech? Archangel est mal parti. Le temps presse. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend, voyons? Allez, on va leur préparer une petite surprise. Paré au combat. Tuez-les!
côté d'Archangel. Archangel? Qu'est-ce que vous faites là? Un peu de tir sur cible, histoire de ne pas perdre la main. Tout va bien? J'ai connu mieux, mais ça fait du bien de voir un visage amical. C'est fatigant de tuer des mercenaires, surtout seuls. Qu'est-ce qui vous a pris de vous surnommer Archangel, Archange? C'est juste un nom que les gens du coin m'ont donné, pour mes bonnes actions. Ça ne me dérange pas, mais de grâce, appelez-moi Garrus. Comment vous avez fait pour vous mettre à dos tous les syndicats des systèmes Terminus? Ça n'a pas été facile. Il a fallu que je m'investisse. Je suis stupéfait qu'ils se soient alliés pour me combattre. Ils doivent vraiment me détester. Qu'est-ce que vous faites sur Omega? J'ai eu ma dose de paperasserie à la Citadelle. Je me suis dit que je pouvais être plus utile en solo. Au moins, je n'ai pas de mal à trouver des criminels ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est viser et tirer. On a réussi à entrer, mais j'ai l'impression que ce sera plus compliqué de sortir. C'est clair. Le pont m'a sauvé la vie. C'était comme passer tous ces idiots à la moulinette. Mais ça marche dans les deux sens. Si on tente une sortie par là, ils vont nous massacrer. On n'a rien à gagner à jouer les attentistes. D'autres suggestions? Jusqu'ici, j'ai réussi à les empêcher d'entrer. Et avec vous trois en renfort. Je suis d'avis qu'on tienne cette position, qu'on attende une brèche dans leur défense et qu'on en profite. C'est loin d'être parfait comme plan, mais c'est toujours ça. J'aimais pas trop jouer au sous-marin de toute façon. Il est temps de faire couler le sang des mercenaires. Vous n'avez pas changé, Shepard. Tant mieux. Voyons ce qu'il nous réserve. On dirait que leur équipe d'infiltration a fait chou-blanc. Visez-moi ça. Des éclaireurs. Éclipse a priori. Ça m'a l'air d'être bien plus que des éclaireurs. Effectivement. Pas de temps à perdre. Je vais rester ici. En hauteur, comme ça, je peux faire pas mal de dégâts. Et vous, faites ce que vous savez faire le mieux. Comme au bon vieux temps, Shepard. On va leur montrer ce qu'on vaut à ces fumiers. Attention.
ce tir percussif. Les mercenaires d'Eclipse ont investi la base. Alliés neutralisés ! Alliés neutralisés ! Mercenaires, escalier de derrière. Si on veut que quelque chose soit bien fait, voyons ce que tu vas faire face à ça, Angel. Go! Système en ligne. Ils envoient les mécas d'assaut. Je crois que de ce côté-là, on est couvert.
Pas mal, Shepard. Ils m'ont à peine touché. Et surtout, on a eu Jarrod. Ça fait des mois que je le traquais, ce petit salopard. Il nous reste les berserkers et les soleils bleus. Vous pensez qu'on a nos chances? Possible. Voyons ce qu'ils manigancent. Ils ont placé les renforts de l'autre côté. De gros renforts. Mais ils ne franchissent pas le pont. Qu'est-ce qu'ils attendent? Problématique. Merde. Ils ont investi le niveau inférieur. Enfin, il fallait s'y attendre. Vous feriez bien de descendre, Shepard. Je m'occupe de sécuriser le pont. On va se séparer en deux groupes de deux. Je vous laisse un coéquipier. Vous êtes sûr? Qui sait ce que vous allez trouver là-dessous? Zaïd, restez avec Garrus. Gardez-le en vie. Bien reçu. Merci, Shepard. Il est temps que vous partiez. On vous rejoint. Descendez d'un niveau. La porte du sous-sol est à l'ouest de la salle principale, après l'escalier. Si vous avez besoin d'aide, je reste en contact radio. Mais je vous conseille de ne pas traîner. Bon courage.